Bonsoir, Monsieur le ministre. Survenant Saka, journaliste pour le quotidien L'Inter. En semaine, un confrère annonçait que l'État de Côte d'Ivoire disposait d'informations selon lesquelles il y aurait, à propos du Lasso, un groupe armé de démobilisés, d'ex-démobilisés ivoiriens qui seraient en train de s'entraîner là-bas. Est-ce que cette information est avérée? Si oui, qu'est-ce que le gouvernement entend faire après avoir évidemment convoqué, selon le confrère, je crois le premier conseiller des affaires politiques de l'ambassade du Burkina en Côte d'Ivoire? Un État se gère avec responsabilité. Il n'y a aucun intérêt à diffuser des informations qui puissent, comme je le disais tout à l'heure, créer des troubles entre les populations de nos pays. Ce que je puis vous assurer, c'est que la responsabilité du gouvernement, c'est de protéger le périmètre de la Côte d'Ivoire, c'est de protéger le territoire national, et ce territoire est protégé. Je peux vous en donner l'assurance. Pour le reste, en attendant que ce confrère apporte davantage de preuves, nous n'en sommes pas informés, en tout cas pas au niveau du Conseil des ministres.